Kate Middleton et le prince William se sont rendus, avec les enfants, à la messe de Noël matinale de l'église Saint-Marie-Magdalène à Sandringham le 25 décembre 2023. Ils ont, ensuite, participé à un bain de foule. Les fêtes de fin d'année ne sont pas de tout repos pour les membres de la famille royale. Les événements officiels enchaînent et le matin de Noël n'est pas réservé qu'à l'ouverture des cadeaux au pied du sapin. Chacun doit se lever, se préparer et se rendre à la messe organisée en l'église Saint-Marie-Magdalène à Sandringham. Le lundi 25 décembre 2023, le peuple britannique a ainsi retrouvé le roi Charles III et son épouse la reine consort Camilla, mais aussi Kate Middleton et le prince William accompagnés de leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Ainsi que leur cousine Mia Tyndall, la fille aînée de Zara Phillips. Leurs âges rapprochés ont peut-être fait les choses. Il semblerait que la princesse Charlotte et Mia Tyndall, respectivement 8 et 9 ans, s'entendent comme larrons à foire. Après avoir pénétré en l'église Saint-Marie-Magdalène de Sandringham pour la messe, les deux fillettes ont participé à un bain de foule organisé et ont reçu de nombreux bouquets de fleurs. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, devenue virale avec ses 5,3 millions de vues, on peut même voir Mia Tyndall montrer un joli bouquet à la princesse Charlotte pour qu'elle le récupère, jusqu'à ce que cette dernière lui propose, avec un large sourire, « Tu peux le prendre ». Des ours en peluche pour le prince George et le prince Louis. Il faut croire que le réveillon de Noël n'a pas duré trop tard pour que chaque membre de la famille royale soit si radieux de bon matin. La princesse Charlotte et Mia Tyndall ne sont d'ailleurs pas les seuls à avoir reçu de nombreuses offrandes. Le prince George et le prince Louis ont eu droit, de leur côté, à des ours en peluche. Voilà qui doit ravir le prince William, qui confiait à la radio, en 2021, « Adorer ce genre de retrouvailles familiales. Quand je vois mes enfants en compagnie des enfants de ma cousine, et qu'ils passent ensemble d'incroyables moments, si est-il très spécial pour moi. Si est-il quelque chose que j'attends beaucoup, tout au long de l'année. » Son vœu de Noël a, une nouvelle fois, été réalisé.